Bonjour, ici Bérangère de Akalteke Sport. Et voilà, je viens changer les chevaux de parc et je voulais vous montrer l'état des cynorhodons. Comment les chevaux ont mangé toutes les feuilles atteignables sur le pourtour extérieur en général de la plante. Toutes les feuilles extérieures. Donc voilà l'action débroussaillante du cheval. J'essaie de m'approcher pour vous en montrer. Vous voyez là, il n'y a vraiment que les feuilles en haut du buisson qui ne sont pas touchées, les feuilles et les baies même. Voilà. Donc le parc est bien mangé, mais enfin c'est pas ratiboisé. Et voilà, en dernière pâture, les chevaux ont prélevé les feuilles des cynorhodons. Donc voilà, la plante n'a pas disparu, mais les chevaux vont porter une atteinte certaine à la biologie du buisson, donc l'affaiblir, et en tout cas empêcher sa prolifération, si ce n'est pas le faire disparaître dans les années à venir. Voilà, là, je vous le montre en contre-jour. Je ne me rends pas bien compte de ce qu'on voit de mieux. J'ai l'impression que quand c'est en plein jour, on voit moins bien la présence des feuilles. Alors que là, voilà, il me semble que là, on devine bien ce qui a été prélevé par les chevaux et ce qui reste. Ah, celui-là, voilà, c'est vraiment flagrant. Toutes les feuilles ont été mangées, sauf celles à la cime. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo dans l'entretien de vos pâtures et le pâturage des chevaux. Merci, à bientôt.